Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. J'avais déjà fait une vidéo, je crois, sur ma chaîne secondaire, sur ce terrain-là. Je suis avec Salzam. Voilà. Où est Salzam? Je vais essayer juste une expérience. Sal. Voilà. Vraiment très 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 beau, c'est excellent. Hein, la porte est fermée. Génial, la porte qui s'ouvre, il y a un trigger de déclenchement. Oui, c'est sur ma chaîne Lara Glitch, au fait, hein, si vous voulez voir l'ancienne vidéo de ça. J'étais pas allé jusqu'ici parce que j'avais eu beaucoup de problèmes à faire cette vidéo. T'es où? Je parle mais il m'entend pas. Le problème c'est que faut que je me téléporte pour savoir. Ah bah non, il est devant moi. Voilà. Waouh, pas mal l'aquarium. Pas du tout. Donc ça c'est les portes de terre 5 qui s'ouvrent comme ça. J'aime bien l'animation respectée et tout. Franchement, Jack a vraiment fait un super travail, hein, dans le code de ce jeu multi. Pour jouer en multi, c'est vraiment fun. Vraiment, vraiment fun. Merci à Jack, hein. Ok, je sais pas où il est allé. Peut-être monter les marches. Au pire des cas, hein, comme je vous ai dit, je me téléporte. TP Salzam. Alors en débutant ce que je viens de faire. Bon allez, je vous laisse. Hein, ma vidéo rame beaucoup. Donc allez, à bye. Donc là, il y a une super magnifique cinématique. Donc je vais juste regarder un truc. Si on peut atteindre le toit comme ça. Ah, ils ont été généreux. Ils ont été généreux.
c'est assez rare hein, d'atteindre. C'est une grosse salle en fait, ce que j'ai envie de dire. Une très grande salle. Là, je suis pas du tout là où je devrais être en fait. Donc Sazam, il doit être devant. Là, moi, je suis à la fin du niveau, mais on peut couper direct avec le Dobby. En fait, ça, c'est un méga labyrinthe. Je vais juste voir où est-ce qu'on pourrait aller. Putain, c'est vraiment génial. Waouh! Je suis vraiment surpris en bien par l'aspect, malgré, comment dire, Ah, j'avais le mot technique pour dire ça. Vous voyez, on voit pas grand-chose. On voit pas grand-chose au loin. Je sais plus comment dire. Voilà.